Humilité, voyage et gros tuyaux. Incroyable mais vrai, si l'on savait déjà que la connerie n'avait aucune limite, c'est la mauvaise foi cette fois-ci qui défie la chronique. Hier, EDF, Engie et Total Energy se sont payés une tribune dans le journal du dimanche et y invitent les Français à faire preuve de sobriété énergétique. La faute aux vilains Ruskov qui nous ont bloqué les pipelines, il va falloir baisser la clim. Heureusement que la Coupe du Monde, c'est au Qatar et pas chez nous. Là-bas, ils s'en branlent, ils ont déjà tout prévu. Bref, ici, on va devoir se serrer la ceinture et transpirer en silence. Sinon, c'est cet hiver qu'on se gèlera les miches. Mais pas de panique, nous explique Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy. Baisser sa conso, c'est surtout augmenter son pouvoir d'achat et limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mon cher Patoche, dans la catégorie enfonceur de porte ouverte, on te décerne sans hésitation le bélier d'or cette année. Et on en profite pour rappeler le palmarès de ta petite PME. Total, c'est pas moins de 14 milliards de bénéfices l'année dernière et une empreinte carbone nettement supérieure à celle de la population française. Et oui, c'est souvent le problème quand les énergies fossiles représentent 93% de la production et 73% des investissements d'une entreprise. D'ailleurs, ces investissements, parlons-en. Car le dernier en date, en termes de sobriété énergétique, c'est une sacrée pépite. EACOP, c'est un projet long comme un trajet Flixbus entre Madrid et Bruxelles. Sauf que c'est pas un bus qui pue, c'est un pipeline plein de pétrole chauffé à 50 degrés, responsable d'un équivalent de 34 millions de tonnes de CO2. Et pour comprendre, 34 millions de tonnes de CO2, ça représente 196 000 fois les émissions mensuelles de Bernard Arnault. Ou encore, les émissions annuelles de 3,3 millions de Français, mais sans compter Bernard Arnault, bien entendu. Bref, tout ça pue beaucoup, beaucoup plus qu'un Flixbus, et ça pollue à peu près tout sur son passage. Faune, flore, air naturel protégé, ainsi que deux des plus grandes réserves d'eau douce d'Afrique de l'Est. En résumé, le conseil à Patoche, si on sait lire entre les lignes, ce serait plutôt « Allez, allez mes agneaux, juste un petit effort cette année », pendant ce temps, on va mettre les bouchées doubles pour relancer la France-Afrique. Comme d'habitude, tout bien pillé et bousillé. Le tout pour qu'on puisse continuer à s'en mettre plein les fouilles en restant bien au chaud chez nous.